On est reparti. Oh mon dieu. J'avais pas vu les télés. Donc c'est... En fait, si on se fait passer pour des communistes, je crois que le truc il va péter un câble, il va nous attaquer. Évidemment, c'est ça. Allez, fais voir un peu. On a un grippin. Il faut que je le note. Désolé. Un grille. Grille-pain. Grille-pain. Ruine de Denver. Il va falloir faire un retour ici avec, avec tout ce qu'on a trouvé. Alors, oui, oh là là. Tais-toi. Perdu. Hey there, friends. Sister Nancy Forge, Ronnie's fourth wife, and his armorer. Made all our guns, armor, explosives, and that commie killing Ronnie statue out on our front porch. Modification d'armes, cette statue est incroyable. Quand avez-vous rendu des armes aussi puissantes? Ah! Trade secret, meaning I won't sell it, and you couldn't afford it if I did. Doesn't mean I don't appreciate the compliment, though. Thank you. Anyway, I'm the traitor here on top of everything else. You need something? I might have it. And if I don't, you probably don't need it. Okay. C'est ce métier, quand on construit cette statue d'ailleurs, je dois avouer que vous faites du joli travail. Bon, ce que vous êtes proposé en vente. Ça m'étonnerait qu'elle ait des nouvelles choses, enfin des choses plus avancées. Ouh, grenade IEM, ouh, grenade cryogénique. Oh, elle a le plastron, Chemtech. Oh. 16 armures, bonus de soins 20, résistance à l'empoisonnement 20, capacité stimulant de combat utilisé pour avoir 2 PA et 15% de probabilité de coup critique pendant 6 tours. Sans déconner. Après le reste, on a au bizarre ça. Que je regarde un peu. Ouais, on a au bizarre. Oh la vache. On n'est pas prêt d'avoir la résistance à la radiation. On n'est vraiment pas prêt. Ah, il nous faut absolument ça. Il nous faut absolument ça. J'ai envie de... Je suis en train de me demander, est-ce qu'on devrait pas mettre peut-être la science étrange sur Sentinelle? Je sais pas. Ça rendrait... Ça ferait un super tank, non? J'en sais rien, en fait. Par contre, il nous faut aussi ça, hein. Les grenades cryogéniques et les grenades IEM. Fais voir. Fais voir si on peut les apprendre naturellement, les grenades cryogéniques et IEM. Elle. Genre... Roquette. Rien. 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 Grenade à éclat. Non, non, on peut pas. Hein. On peut pas les apprendre. On a Molotov. Pourquoi à chaque fois il faut de la ferraille? Non, mais Molotov. Putain, il nous faut au moins 2000 dollars. Il nous faut au moins 2000 dollars. Là, on a commandement et arme automatique, c'est assez élevé. J'aurais peut-être dû garder encore une fois des points. J'ai été bête, voilà. J'ai été bête. Voir le... la science étrange, qu'est-ce que ça nous donnerait. Ah ouais, tous les trucs énergie. Ah oui, c'est vrai qu'on voulait mettre énergie sur lui parce que ça va être lui le tueur de robots. Mais ça fait déjà beaucoup de trucs. Hein. Mais bon. Voir quoi. Fais voir un peu l'avantage. Désolé, je refais encore un tour dans les aptitudes pour être sûr. Science étrange. Permettre d'infliger des dégâts bonus d'énergie de froid ou chaleur lors du prochain attaque. Va faire 5% de chance
de vous exploser à la figure. Sympa ça. Les dégâts d'énergie infligent 0,5 points de dégâts de bonus pour chaque point d'armure de la cible. Les attaques d'énergie ont 20% de chance d'électrocuter les ennemis leur infligeant des dégâts d'énergie à ce que quiconque tient à proximité pendant 2 tours. Ouais non, ça serait... Ouais, ça ferait mal en fait. Je sais pas. Si on veut de la science étrange, on va en chier en fait. Il fait du bruit le machin. Non, ça va, ils s'en foutent. My fellow Americans, well, turn with me now to the Book of Bonzo, chapter 12, verse 1. Blessed are the job creators, for the tax cuts they receive will trickle down to the middle class. Well, blessed are the nukes, for they protect our freedom. Oh, ça m'a gavé ce truc. Blessed. Oh, au parleur près de la porte crépite. Welcome to the Western White House. God, President Reagan is expecting you. Please come in. Il est sur un raptor et tout, c'est n'importe quoi. Attends, on n'a pas fait le tour encore. Reagan, tout puissant, il me s'est écrit aujourd'hui. This ain't a charity, Rangers. Ok, ok, ça marche. If you're looking to get patched up, I'm your gal. They call me the Wyman around here, but I prefer Doc. If you're a Nancy and you do something the other Nancys don't like, they shun you and call you a Wyman. Yeah. No idea what it means. Maybe some kind of rat or insect or something. Okay. Anyway, you'll hear a lot of things about me in this shitty city on the hill. Okay, d'accord. None of them good. But nobody can fault my doctrine, so you don't have to worry. So where? Colorado Springs? Why would I bother? Un dieu pour un autre. Besides, Colorado Springs has plenty of... Un doigt, puis il baisse à nouveau. Yeah, okay, you're probably right. Ouais, ça sert à rien de d'essayer de leur expliquer. See for yourself. Alors, fais voir. La ultra morphine. Sympa. On peut prendre l'étagère. That's medicinal, Rangers. Ok. Crochetage. Ça marche. Alors, manuscrit, figure, Nancy, température, améliore le terminal, augmentera l'efficacité au combat, la statue de Reagan, saboter pourrait endommager et détruire la statue. Ok, d'accord. Ça marche, donc il y a peut-être un moyen de saboter la statue. Ah, intéressant ça. Bon, en tout cas, ça me... Je sais pas. Ça me ture le pin, le fait de... la science étrange, là. Je sais pas sur qui la mettre. Mais bon, j'imagine que sur un tank, ouais, non, ça va être bien. Si on le met sur Zeus, en gros, son armure, on la changera jamais, quoi. Ça sera l'armure ultime. Pour lui, je parle, pour lui. Ce sera l'armure ultime. Ça va le booster et tout, il pourra se shooter. Ouais. Il y a intelligence, je crois. Ouais, non, le prochain point, ça va être là. Mais après, on va faire que de l'intelligence et je pense qu'on va faire, du coup, la science étrange. Après, il nous faut que 6. Il ne faut que 6 en science étrange. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir 10. 6 ça suffit. Mais bon, il y a aussi armes lourdes à augmenter. Parce qu'il est un peu en arrière en fait pour les armes lourdes. Ah, ça va être un problème hein, pour Zeus. C'est pour ça que... Pour lui, ce serait pas mal, mais bon.
Je sais pas. Pardon. On y va. De toute façon, on n'a pas. Faudrait monter de niveau. On réfléchira à ça plus tard. What is this? Those are the Desert Rangers. They work for my father. You promised to keep me safe. Calme-toi. Calm down, Valor. God President Reagan has everything under control. Well now, welcome patriots. Nancy and I, well, we appreciate your selfless service and want to thank you for it. You are true Americans and we'll good neighbors. Now then, help yourself to some jellybeans and let's get down to business, shall we? As you know. You and I have a rendezvous with destiny. We'll preserve for our children this, the last best hope of man on Earth, or we'll sentence them to... Wow. If it takes a blood effort, let's get it over with. Well, what do you say? Wow. C'est quoi des dragués? Des dragés? Un bain de sang? Freedom is never more than one generation away from extinction. Ok. How do you tell a communist? Well, it's someone who reads Marx and Lenin. And how do you tell an anti-communist? It's someone who understands Marx and Lenin. Si vous le dites. We have every right to dream heroic dreams. Those who say that we're in a time when there are no heroes, they just don't know where to look. Okay. Why shouldn't we believe that? We are Americans. On dirait Metal Gear Solid 2 avec le Major là. That's enough, Ronnie. You did very well. But it's bedtime for Bonzo now, okay? Okay, mommy. Well, I'm sleepy. I know you are, darling. Night-night. Thank you for joining the God President and I in the sacred server room, Rangers. Before we discuss why you're here, I have a proposition for you. A favor that would make us look more favorably on your requests. Lui, c'est le mec qu'on doit arrêter, parce que c'est le fils de patriarche, c'est ça? Je veux qu'on fasse, nous sommes seulement parler à Valor, nous sommes après un pétrole, que Rado. Nous sommes pas ici pour négocier quoi que ce soit, au début de l'apprivoisement de pétrole, livrez-nous Valor, vous subirez les conséquences. Non, que voulez qu'on fasse? My husband, the God President, wishes to transfer his consciousness to a human body. To accomplish this, we must acquire a... What was it, Valor? Ah, c'est ce que les machines nous ont expliqué. A cybernetic transfer module. It's amazing. Basically, what it does is... That's enough for now, Valor. But yes, we must acquire this transfer module from the filthy communist robots that occupy the Denver airport. Or rather, we'd like you to acquire it and bring it here to us. Okay. Once God President Reagan has a human body, you'll be rewarded with money, a fine weapon, and we will relinquish our claim on Valor and restart the oil to Colorado Springs. Le regard de Reagan, je suis sûr que c'est une sorte de lance-roquette à énergie. Ah, quoique non, ils vendent des roquettes en même temps. Ouais, ça doit être un lance-roquette. Tout simple, en fait. Enfin, sûrement super pété, mais bon. Montrer le module de transfert. Marché convenu, nous révélons le module en échange du valeur et du rapprovisionnement. Nous allons avoir besoin d'un peu plus d'informations d'abord. Vous avez besoin de temps de réfléchir, attaquer. Marché conclu. Ok, repérons. Agreed. But only after Valor helps us transfer God President Reagan into a new body. Ouais, on va voir ça. That's right. They can't do this without me. Yes, dear. Now keep working. Meanwhile, our home is at your disposal. I'll tell the sisters you can come and go as you please. Make America proud, Rangers. Ça va être compliqué, ça va être compliqué de jongler dans les quêtes là. Oh là là, ça va être d'une complexité énorme.
Je crois que ça va être d'une complexité énorme pour tout faire comme j'ai en tête en fait. J'imagine qu'on peut pas prendre ça. Ah si. People do rather get the wrong idea about us. I can't say I mind. Let us be under exemplary work, Rangers. I really didn't think you'd manage to recover the module. But Ronnie said to have faith. Oh my god, you've got it. He also said you convinced those commie robots at the airport to give it to you of their own free will. I don't know why you bothered. Now, before we fulfill our side of the deal, we must complete the transfer. Valor, prepare the transfer equipment and prepare yourself to receive the God President's holy essence. J'ai cru que c'était un ordinateur qu'on pouvait checker. Everything is ready, Mother Nancy Reliant. This will be the greatest day of my life. Until the day when you inherit Saul Buchanan's throne. For then it will be the God President who sits. Yeah, my father always said I'd never be a great leader. I will be the greatest. Vous nous avez menti, vous avez dit que Valor devait vous aider quand il sera libéré. Mentir. Your eagerness surprises me, Rangers. But of course, it's natural you would come around. This was Ronnie's divine plan. And you've seen the depravity of the machine commune. Valor, it's time. Now, Rangers, would you be so kind as to start? It will be the most delicious of ironies to have the Patriarch's emissaries give life to the leader who will eclipse him. Just connect the module to this council, and we'll begin. Terminal, aucun module détecté. Branchez le module, transfert sur une unité à la forme du terminal. Parfaitement apparaît comme s'il était assorti. Branchez le module. It's ready, Rangers. All you have. This is amazing! I can feel him! Cerveau humain détecté. The safety protocols must be turned off for the transfer to begin. What? Alors, transfert Egan vers Valor. Transfert Egan vers la communauté des machines. Transfert Egan vers le QG des Rangers. Quoi? Ah ouais, mais non, mais je veux pas ça. Je veux pas ça. Chez moi. Mais c'est marrant qu'il y ait ça. Putain, j'ai envie de tester, moi. Savoir où ça va, mais il va foutre le bordel, en fait. Stop! What are you doing? You didn't disable the safety protocols. Le transfert super, tu cries, Regan. Something is wrong. I'm not. Where am I? Transfert terminé. Rangers, what have you done? Where is my Ronnie? Traitors, communists. Chèque de mission, les cerfs volants. Ok, non. On va recharger. J'étais un peu pris en fait dans les conversations, du coup j'ai été complètement bloqué, ça c'est cool. J'ai touché l'ordinateur, ça m'a complètement verrouillé en fait. Je pouvais plus revenir. Ça c'est chiant. Ça c'est très très cool. On va accélérer les choses. If it takes a blood. How do you tell a communist? Well, why shouldn't we believe that? Thank you for joining the Americans in the sacred server room, Rangers. Before we discuss that once God President Reagan has a human body, you'll be rewarded with money. A fine one. Agreed. That's right. Yes. Meanwhile, make America proud, Rangers. Okay. Okay, là on est bon. Ok. Donc il y a les fous à tuer. Il y a les fous à tuer. C'est à qui qu'on rend la quête pour les fous? Les cerfs volants.
Bah, de toute façon, on verra plus tard quand on les aura détruits. Par contre, il y a la maison divisée terminée sur 3 terminée sur 4. Pêcheurs célestes ont demandé de saboter la statue de Regan en désactivant 3 terminaux qui contrôlent ces systèmes essentiels. Ok. Alors, on va voir si on peut faire ça sans corrompre en fait notre relation avec eux. Si on peut le faire. C'est quoi ça? Okay. Il fait un putain de bruit ce machin là. Bon, comment on désactive les... C'est ça les statues? Alors, bien sûr, je vais proposer d'éliminer Gisper, y compris Valor. Nous sabotons les statues géantes de Regan. Les pêcheurs célestes nous ont demandé de saboter les statues de Regan en désactivant 3 terminaux qui contrôlent ces systèmes essentiels. Ah, comme l'ordinateur de l'avant, là, de l'intérieur. Par contre, moi c'est elle, hein. Il faut vraiment que on récupère ce qu'elle donne. Hein. Alors, chercher à moyen de saboter ce système. Inspecter le terminal pendant plusieurs minutes. Saboter en boucle infinie dans le programme. Ouvrir le boîtier, retirer directement les fusibles de sécurité. Truc d'intello. Paramétrer une boucle infinie dans le programme. Ok. Ça va? Partner? Hocher la tête. Hocher la tête. Hocher à nouveau la tête et commence à suer. La tête doit finir par tomber si vous continuez petit. Devient rouge et fixe ses bottes, Siri. Sorry. I just. That's how you cowboys say hello, right? Gros dur 1. Il a plus l'air d'un cowboy que nous. I do? Well, thanks. I'm just trying to do it like all rangers and marshals and cowboys and stories do it. Nodding and squinting and staring right through you. You know, tough, hard. Le truc, c'est que. On a gros dur 1 avec un équipement. My name's Bill. I have a stupid question. Have any of you seen my ma anywhere? I told you it was a stupid question. How would you know if you saw her? I don't even have a picture of her. Merde, elle a disparu depuis quand? Qu'est-ce qui t'est arrivé? It was about 6 years ago. She had a fight with Mother Nancy. Ça fait 6 ans qu'elle est partie, ta mère. A bunch of things I'd never heard. It's a big honor, but Marie avec une machine, ils ont répondu que c'était d'accord, mais je ne pouvais pas l'accompagner. Elle est quand même partie. Vous avez déjà essayé de partir au chat de votre mère? You mean like dire, the comme dans les histoires. Ouais, en fait, le mec, il a rien foutu. Je pensais que je devais m'en charger. On est déjà allé en dehors du territoire Gipper. En fait. Comment ça, c'est que ça arrive? Il n'y avait pas de ça, petit cerf, avant que vous allez mourir. Sure, I do. I mean, mais je connais toute l'histoire. How God President Reagan conquered the West before he was God President. Pourquoi pas aller retrouver votre mère? Are you really sending this kid out there alone? I mean, he's probably about my age, but he seems kind of soft. What was that? Il est soft. Allez, petit, retrouve votre mère, soyez un héros. Écoutez, en y réfléchissant bien, il n'est pas assez trop dangereux. You think so? Yeah. Ça me semblerait pourtant yeah, logique, mais si right. Mon cœur était verrouillé, que je me mettais. Sorry, ma. Attends, si on tue tout le monde et que le mec il est toujours là, c'est peut-être con pour lui. Donc on va lui dire de partir. Really? Oh, I knew it. The minute you said I should leave, I knew it was the right thing to do. Oh, thank you. Thank you so much, Rangers. I gotta go find my gun. Ok, et ciao. Ça fera une personne de moins. Une personne de moins à tuer en fait. Alors, pêcheur 16 ont demandé un terminal sur 3. Ok, ça marche.
Ça suit Reagan. Rencontre sur le système. Et puis on se fera monter le disque dur. Sorry, partners. Access to this console is restricted by order of the Nancys. Eh merde. Ah, lèche cul, vous êtes un super gars, mais ça n'aurait plus d'importance que le système aura claqué entre les pattes de Ronnie. Du calme, vous savez que nous sommes ici pour aider avant que le système n'échoue. Tuez le garde. On va faire lèche cul 6. What? No, I didn't even realize it. Eh oui, faut qu'on répare les choses. Il suffit d'appuyer sur la touche D, appuyer sur la touche F tout de suite. Ah, saboter. Ah oui, améliorer saboter. Sir, yes, sir. Pressing voilà, the button bien. Now, sir. I think I did something wrong. I hope the Nancys don't get mad. C'est inquiète, mec. Par contre, je voudrais. Comment on va se débrouiller pour payer 1350 quoi? Sur le truc, c'est que si on la tue, on n'aura jamais l'équipement en fait. À la limite, les grenades, on peut s'en passer, mais c'est vraiment ça quoi que je veux. Après, est-ce qu'on pourra trouver ça dans le jeu? J'en sais strictement rien quoi. Il me reste 1000 à trouver. 1000 dollars. Il est où l'autre ordinateur? Bon, déjà ça marche. Par contre, j'espère que ça va pas déclencher l'attaque des fous là. Si jamais ça déclenche l'attaque des fous, bah on arrêtera. On finira pas. Mais je pense pas que ça va le faire. Je pense que on va pouvoir les, genre, les massacrer avant ou un truc comme ça. T'as le bruit qu'il fait, le machin là. T'es où l'ordinateur? 1, 2, il n'y a rien. Celui-là, non. Bah merde alors. Manque hein. On est bien d'accord. Nous devons désactiver le système régulant les températures internes de la statue de Reagan. D'autres processeurs électroniques importants, les Gispers ont désactivé le terminal protégé à côté de la maison blanche ouest. D'ordi. Là, c'est les fous. Il n'y a pas d'ordinateur. Sous système 3. C'est ici. C'est ici le troisième. C'est bien ça, hein, ça, c'est des sous-systèmes. Il va falloir récupérer... récupérer l'autre qui crochette. Puis du crochetage. Ouais non, je crois que c'était sous-système 1, sous-système 2. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer et on va aller prendre les mecs qui crochettent, non, la femme, et on va prendre le mec qui fait les, merde comment ça s'appelle, les, ah putain, j'ai oublié, j'ai un truc. Faire ça. Remarquable. Just sit tight, November. Help's coming.
Merci. Les grilles pain. Merci à la radio, j'ai appuyé. Les grilles pain. Et on devrait être bon. Ah, c'est compliqué hein, tout ça. Ça rend fou qu'il faut mille et quelques encore. What do you need? Of course. Let's see if we can find what you want. Tu peux pas nous le donner? La camelote, on va pas la vendre encore. On va se soigner ou pas? Je crois pas qu'on ait besoin. Strange about those chickens. Oui, oui. Now, anytime, Rangers, I'll be here. Putain, je fais de Rangers, good to see you. Sure thing. Let's have a look. Retirer. Donc, il nous faut Jody et Scotch Mo. There you go. Anything else? I'll be here. Merci. Donc, elle, t'as ça. On augmente la coordination, j'imagine, parce qu'elle a déjà ça qui est bien élevé. Compétences, crochetage. Vive précision, charme d'animal, premier soin. Ah, attends. Est-ce qu'on aurait un livre de crochetage? On a un livre de crochetage. On peut la mettre directement à 10, comme ça on aura fini avec le crochetage. Et on pourra mettre autre chose. On va faire ça. Voilà. Charmeur d'animal. Puis de précision, elle est élevée aussi. Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait lui mettre à elle? C'est à quoi? Éclaireur. Je crois qu'on a mieux. Armure de mercenaire. Non, mais c'est mieux que ça soit toi. Toi, t'as quoi? Tactique. Grippin plus 1, armure. Parce que lui, il va se prendre des baffes en fait. Armure 4. Armure 5. Bon, bah, j'ai rien dit, on n'a pas mieux. Sinon, après tes armes, c'est. Ça va. Ça va. Grippin n'est pas encore là. Allez, on y va. Ah oui, non, c'est le sniper de elle que je voulais voir. Désolé. C'est 63-88. 70-96. Ok, c'est bon. Et ça, on le laisse en deuxième, parce que pourquoi pas. Vu que c'est le sien. Lui, il a un fusil à pompe de clochard. Est-ce qu'on a un meilleur truc? Je crois pas en fusil à pompe. Je crois que c'est Lucia qui a le meilleur. On peut partir. Par contre, après, lui, il a mêlé. Enfin, il a que mêlé 3, après. C'est pas... Voilà, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait quoi? On fait fusil à pompe et revolver ou pas? De points. Non mais il a rien débloqué de toute façon. Frappe sanglante, dégâts d'hémorragie, mais 20% de pression. Ouais bof. Non mais je préfère ne pas me faire chier avec
Avec du mêlée. Il va prendre des baffes. Il faudrait l'équiper en fait en... En gros défense. En grosse défense. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Ouais, mais ils deviennent fous quoi. Billie Jean. Très bien. Très bien. Il en fait du bruit le machin. Oh là là. Il va me rendre fou quoi. Ah par contre je dois faire une pause. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Appartement luxe, intérieur du bizarre, crochetage, grippin, terrier, café, restaurant. Ah je peux aller d'abord... le bizarre. Quoi qu'attends, le bizarre. Nous on doit aller où? Denver. Bah du coup j'ai pas extrêmement de temps. Donc ce qu'on va faire, on va aller au bizarre. Parce que on a un crochetage et un grippin à faire. Et c'est le plus proche. D'embuscade, très bien. Voilà. Donc, l'intérieur du bizarre. On a un crochetage et après dans le terrier aussi. On a un grippin. Crochetage intérieur du bizarre. On a un crochetage ici? C'est quoi? C'est ça? Mais ça, je peux pas y accéder. Je me rappelle plus. Ah, peut-être que si, on peut. Pourquoi? Je veux voir ce qu'il y a dedans. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Oh, il empoisonne, ça tue. Chauve-souris vampire. Ça, c'est cool. On a une tenue de vampire. On a un brise-pink, c'est de la merde. Ouais, y'a rien qui vaut le coup, y'a que ça. Je suis l'admiration des véhicules. Ok. Bon bah du coup on sait. Maintenant on le sait. Maintenant on descend. Et on va faire ça. Et après on retourne à Denver. Alors c'est au Terrier Café Restaurant. Parce que moi je dois bientôt y aller, donc autant faire juste ça. Et après on gardera le truc le plus gros pour après.
Alors, café, restaurant. C'est là. Ah oui, c'est là. On en profite, hein. On en profite. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a crochetage déjà niveau 10. Donc là, on est tranquille pour jusqu'à la fin du jeu. On est vraiment tranquille. Il y a le vieux là qui va faire le grippin, c'est cool. On a la vente qui est... Ouais, il ne reste plus que la science étrange. Mais encore une fois, la science étrange, je sais pas sur qui la mettre. Non, en théorie, on devrait la mettre sur Zeus. Mais il a déjà 4 habilités, Zeus. C'est casse-couille. Alors, Torjan... 63$. Ok. On va passer par là. Ça, je peux le rayer de la liste. Qu'est-ce que... Ah ouais, putain, c'est comme ça qu'on voit. Mais pourquoi il a bu, lui? Vous êtes une menace sur le champ de bataille. Et un joyeux compagnon. Le mec, il a bu automatiquement. C'est fou, ça. Merde, c'est ouf, c'est là. Bah, je pensais que c'était plus proche, mais en fait, non, pas du tout. C'est super loin. On va utiliser le jeton. Tu vas me dire que le mec, il boit automatiquement comme ça? Est-ce qu'il consomme mes consommables? Ou... Bagarreur. Ah mais c'est les dégâts de mêlée hein, qui augmentent. Hein. Ah non mais là, il refuse. J'ai rien dit. Ah là 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 là. Alors, trop genre là. Cheval de Troie là. Torjan, je sais pas quoi. Ah, le bunker aussi, mais ça sera pour plus tard. C'est le jeton. Le russe de Targan. Seulement, vous aurez la moitié d'un bébé. Bonus d'expérience 25%. Potion de russe Targan vous permet de voir au-delà des contingences matérielles. 10 700 secondes? Tu m'as mis 10 700 secondes, ça fait quoi 10 700 secondes? J'en sais strictement rien vraiment. Tais-toi toi. Maintenant c'est à Denver. Bon en tout cas moi je vais faire une pause. Je vais me mettre sur la carte monde et je vais faire une pause. Et go Denver. Le jeu est tellement long, je sais toujours pas encore quel temps je vais mettre pour les vidéos. Peut-être 2 heures, parce que 1 heure ça fait faire beaucoup de vidéos, je sais pas. Ouais, 7800 secondes maintenant. Super. C'est vraiment de la merde en fait, ce système. Voilà. On va s'arrêter là. À la prochaine. Ciao, ciao. Et nous sommes repartis. Denver. Partons à Denver.
Alors, comment faire de l'argent, beaucoup d'argent en peu de temps, en faisant pas grand chose? C'est ça la question. Là, c'est radioactif ou pas? Déjà, il y a un magasin. Ça a l'air bien radioactif. Ouais. Non, bon, je suis bloqué. C'est bon. Oh, lui, il est encore bourré, quoi. Vous imaginez une équipe? Que de mecs bourrés? Ou de femmes, hein? Mais que de gens bourrés? Très énorme. Toujours avec cette vue. Genre tout le temps comme ça. Trop bien. Alors, on va à Denver. Donc, je rappelle. Donc là, on a le mec des grippins. Et le crochetage. C'est radioactif là ou pas? Je m'en rappelle. Ouais. Donc ouais, il nous faut le torse de l'armure là, qui est à 1300 je crois. Et il y aurait aussi deux papiers là pour deux recettes, voilà, deux recettes. Des grenades IEM. Grenades IEM, ça peut être intéressant hein, pour les robots et tout ça. Et après, autre chose. Grenade. Je crois que c'est deux grenades. Je suis pas allé là. Mais... Voilà. Merde. On est bon. Can't wait. Et du coup, je fasse attention avec les radiations. Périphérique de Denver. Ah, c'est sale. A man named Bulb says his mind's being attacked by Martians. Pouvez-vous répéter ça, QG? I'd really rather not, November 1. The distress call wasn't too clear on what these Martians are, but could be any manner of beast or monster. Advise checking it out. I think this Bulb fellow will be happy to tell you more. Over and out. Qu'est-ce que j'adore Wasteland 3, la façon dont on se déplace, on trouve des trucs, le QG nous appelle et tout. Mine de tellure, ouais, mais ah, putain, ça va être encore radioactif, on est d'accord. Radioactif là ou pas? Ouais. Merde! C'est quoi ça? Un immense et mortel scorpitron au loin. Vous apercevez quelques caches de marchandises sur son parcours. Elles n'ont pas été touchées par les pierres, mais elles sont bientôt réduites en poussière.
prendre le risque et piller les caches. Ou tirer une caisse pour qu'elle soit hors de danger, ou l'examinerai plus tard. Continuer à piller. Rechercher bien malgré le scorpion qui gagne du terrain. Déplacer une autre caisse à l'heure du chemin pour examiner plus de détails. Continuer à fouiller les caches, vas-y, go. Trouver une autre caisse prometteuse. Malheureusement, le scorpion vous a finalement trouvé. Vous devez piller après le combat si vous survivez. What the fuck? Mais c'est quoi ce truc? Oh, ça m'a fait sursauter. Ça m'a fait super peur. Oh. Oh merde, on est en combat. Coup de supplémentaire, portée du lancer. Elle a gagné portée du lancer. Ah ! Putain, j'étais en AZERTY et pas en QWERTY. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai mis à genoux ? Non, je sais pas. Non, c'est pas grave. J'ai mis quelqu'un à genoux en fait, je crois. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, octotron tueur. 4900, il a 37 de défense. Ouais, non, mais là. Oui, bah alors là, on va sortir les. Hein, on va sortir ça. Ah, elle a pas d'armes. Ah, on est un peu limité là quand même. Tuer celui-là sur la droite, comme ça on se concentre sur le centre. Attends, c'est quoi? Oui, marquage de cible. Ah, elle a pas le tir avec celui-là. Ah oui, parce que non, ça vient de l'arme elle-même. Ah, c'est plus 30 de dégâts, mais là elle a beaucoup de pénétration, donc elle passe à travers. Bon, on a 50 balles de. On a 50 balles de réserve, ça va. 440. Ouais, on a 50 balles de réserve, ça devrait aller. Mais on a très peu d'armes en fait, anti-électriques, quoi. Ah oui, on peut faire ça, ça. Ah non, c'est un. Ok. C'est pas un fusil d'assaut, c'est vrai. Pas fait grand chose. C'est elle qui devrait avoir l'arme. C'est vrai qu'il faudrait que je lui enlève le lance-flamme. Putain de merde. Soldat Jody, allez, non, elle est pas rapportée. Non, mais 95% et tu loupes.
Oh là là, 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 oh là là. Et on peut s'échapper? Genre si on atteint ça, on peut quitter la zone? Très bien. Alors. You must be the bear. C'est ce que je pensais. Il fait du poison, son truc. Tentez de couvrir ta case ardeuse qui a quoi? Il va servir strictement à rien, ce mec. Je réfléchis, faut pas faire le con là. Si jamais... Ok, plaquage. Infligé des dégâts de bonus réduits d'armure. Non. Des lames, dégâts de bonus réduits de cible. Chenille, infligé électrocution à la cible. Processeur, cible devient folle, attaque ses alliés. Ça a pas marché. Ah, j'aurais dû faire d'abord ça. Ouais. J'étais complètement teubé, c'est bien. C'est stressant là par contre. Si je mets 2 PA, ça sert à rien. Si, il y a Fury qui pourrait tirer. Ah, mais elle peut tirer. Cinq.
Ok, électrocution. Oh, ils ont encore ces attaques de merde, il y avait pareil dans les... Oh, oh là là. Basile, de clone. Fais-moi rire. Requiert truc d'intello de niveau 10. Devient folle et attaque ses alliés. Non. Réduit l'armure d'acide de 75%. La queue inflige 50% de dégâts bonus. Réduit les dégâts d'acide de 25%. Infliger électrocution à la cible. Je sais toujours pas ce que ça fait électrocution. Je crois que le mieux ça serait de détruire. Par contre, je voudrais bien. J'arrive pas à cibler le petit truc qui est devant. J'ai appuyé, putain. Bon, pas grave. Ça a fait des dégâts. On va essayer de t'arrêter de faire de la merde là parce que... Ça commence à gaver là. Je sais pas si on mettrait des... ça, je sais pas si ça vaut le coup. Oups, ça arrache une main. Systems return to nominal function. Ok. Non, je vais être dans la merde. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ok. Après, si on arrive à maintenir en vie ce qu'on a...
qu'on pirate, en théorie, on aurait un tank. Non mais là, là tu me fais chier là. À chaque fois tu me fais ce coup là. Attends, tu vas me faire ce coup là à chaque fois, genre je peux pas réparer le machin. Parce que si je peux le réparer, je le répare maintenant. Et après je le repirate par derrière. Ouais, là ça va être compliqué là. Si je peux jamais faire ça. On va faire c'est ça. Regardez bien ce coup de maître. Je vais essayer un ralentissement. Coup de maître, attention, on rigole plus. Ça c'était de la merde. C'était de la merde parce que lui maintenant il est un peu en plein milieu. Résister à marquer. Alors, est-ce que tu vas résister à celui-là? Putain, merde. Ok, processus, non. Plaquage, non. L'électrocution, pas de sympa. Pré-réduit l'armure. Peut-être, comme ça tout le monde fera des gros dégâts dessus. Même ceux qui n'ont pas d'armes à énergie. 99. Ouais non mais il a 37. Non mais ça réduit pas l'armure en fait. Connerie. Grosse connerie moi. Si je m'avance, il va faire le lance-flamme, je crois. Donc, je crois qu'on va tout simplement rester là. Pas faire ça, parce que... Ah, quoi que... Ça fait quoi, ça, exactement? Un torrent mortel. Oh là là. Oh là là. Non ! Qu'est-ce que c'est ? Okay. Fais le piétinement. Là, il y a eu un... j'ai vu qu'il y avait un tir. Je crois que c'est sur lui. La vitesse de combat.
nickel. Nickel. On a peut-être, je dis bien peut-être, une chance. Ça va être chaud. Alors, si vous commencez à faire autant de merde, ça va vite se... Hein, on va vite se... crever. Hein. Oui, j'avais dit qu'il fallait s'éloigner de là. Je sais plus où il était le tir. Je crois qu'il était... vers Fury, je crois. Je crois que Jodial va s'en prendre une belle dans la gueule. Les exploits, ça va pas détruire l'armure. Vas-y, fais-moi peur. C'est Jody qui a pris. Oh la vache. Très bien. Très bien. Et les animaux sur la bestiole. Oh, ça tue! Putain, il faut continuer. Hein. On va peut-être y arriver. Vas-y, le doyen. Vas-y. On va peut-être y arriver. PA, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux pas du coup, on est d'accord. Oh, je peux pas réparer les ennemis, d'accord, ok. Ouais, ça paraît bien. Ouais, je sais pas. En fait, on devrait se mettre à côté de ça. Parce que Zeus, il va pirater en boucle, en fait. C'est ça qui va nous permettre de faire quelque chose. Oh ! Ça a été marqué. Pas de critique, surtout fait vraiment pas de critique, ce serait con parce que du coup on ferait des dégâts et tout.
Toi, tu peux faire quoi? Faudra en fait les éparpiller pour éviter que, genre, il y en ait plusieurs qui tombent. Tellement à rien, lui. Hey. La moitié de la vie. Très bien. Après, on a encore celui-là qu'on peut pirater. Je crois que là, celui-là de gauche va être la dernière fois qu'on peut le pirater. Arme endommagée. Ah, résister. Okay. Donc là, hop. On a une. J'avais dit hein, qu'il fallait s'équiper contre les robots et tout ça. Je l'avais pas dit. Je l'avais pas dit. Là, ça se passe bien, je suis content. J'avais dit qu'il fallait absolument... Je crois que quand on s'approche de lui, il doit faire le feu. Il doit faire le lance-flamme, en fait. Si je me mets là... toi, il faudrait te soigner. On pourrait le soigner aussi, comme ça il a un régène, ou alors on fait combien de PA là? Ouais, me le mets pas surtout. Cible bloquée, bah va te faire mettre. Va bien te faire mettre en fait. C'est en fait je voudrais qu'il aille plus loin. J'ai peur que ça soit à cause de la proximité, c'est ça qui déclenche le lance-flamme. Comment ça? Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a un bug? Il y a un bug là. Attends, je peux pas sauvegarder. Il y a un bug là. Bon, attends, on va essayer de jouer. On va essayer de jouer les autres. Je comprends pas ce qui se passe. Bon, il y a ça qui a été. Le marquage qui a été mis. Ah merde. J'aurais même pas dû me soigner, ça sert à rien. Ah, ça marche. Maintenant, on va aller là pour pirater lui. Si elle l'avait... Si elle... Ah, si on lui avait mis
La super arme laser. Ça me rend fou, ça. Au final, lui... Ouais, non, mais de toute façon, il n'a pas d'arme. Je sais ça. Il n'a pas d'arme anti-robot. Donc, peu importe qu'il ait des pourcentages de fou, ça aurait pas aidé. Ok, c'est où? C'est là. Ok, ça marche. Je crois qu'on va avoir assez... Ah, tiens, il y a le clone qui s'est fait ralentir. Tu sais, ça reste constamment, en fait, ça. Un tour. Oh putain. Merde. Un tour. Mince. Ok, là on est dans la merde. Bon, déjà il faut bouger Ryan, soldat Ryan. Mais j'ai l'impression que le feu fait pas de dégâts, c'est bizarre. Ou c'est moi qui le vois pas parce que... Ah oui, non mais non, on se fait soigner à chaque fois. Non, on peut faire ça. Non. On peut pas faire ça. 6, et on va recharger. Ça fait chier là. On va se mettre là en espérant qu'ils prennent un peu l'aggro. Après, elle, on peut la mettre ici. Ah, mais il y a de doyens. Non, j'ai pas envie de que le doyen se prenne des balles. Parce que là on est plus protégé là par contre. Là le machin il va nous massacrer en fait. Tire une carte de fusil à pompe qu'un fusil hémorragé à ceux qui sont touchés. 100% de dégâts contre une armure. D'accord. T'es un peu nul dis-moi ton dégât. On arrive à passer ce tour, c'est bon. 4200. Oh la vache. Ça va, on peut la... Non, on peut pas la réanimer. On a pas pu tirer sur Thunder. Parfait.
Alors je suis en train de me dire, est-ce que on devrait pas tirer plutôt? Ah non, il faut qu'il recharge. Là, ça fait 11 AP. Il pourrait réanimer elle, et lui pourrait tirer. Il y a elle aussi. Yes, marqué. Nickel. Let's go. Attends, t'as encore 2 points. Wow. Yes. Oh la vache quoi. Eh bah. Ça c'était un combat ça. On a eu un cœur de réacteur, telle une pièce de machinerie provenant d'un vieux réacteur nucléaire. Ah, bah ça doit être le... ça. Donc la bombe atomique tactique. Je deviens la mort, le destructeur des mondes. On a un Stinger, explosif 6. Pour détruire un avion blindé, bonne chance, cible humaine. Ouais, pas mal. Avec 2 roquettes, on a eu matrice de LED, gourde goudron, émetteur laser. C'est pas mal. Module démo gobelin. Modification d'arme, c'est 2, bonus de soin. Voilà, des gens qui ont des trucs. Ouais. Trop de soins de docteur. Elle aussi, elle est crevée. Et lui, jambe raide. Ça va. Et du coup, on n'a pas perdu... On a toujours lui, on a nos 2 bestioles, on a le clone. Ah, il y a cette caisse qui a été détruite apparemment. Ah, donc c'est les fameuses caisses. Putain, elles peuvent être détruites pendant le combat. Merde. Lance de la mort. Précision niveau 17. Non, mais on a fait un truc de fou, là, j'avoue. Là, on a fait vraiment un truc de fou. Ah ouais, non, lui... Putain, il est encore mieux, quoi. C'est pas mal. Bon, de toute façon, on peut pas l'utiliser. C'est impressionnant. On a sauvé quelques trucs, quand même. C'est pas énorme, mais... Gantelet électrique. Arme de poing, niveau 21. Ouais, on gagne un peu d'argent, c'est bien. Ouais, on a sauvé quelques trucs, pas beaucoup, mais... C'est con qu'on ne gagne pas... Mais je sais pas... Une plus grosse récompense. Ah oui, il y a un coffre. Crochetage 9. Oh mon dieu, faites que ce soit un truc super. Encore heureux qu'on a le crochetage avec nous quoi.
Liaison incendiaire, recette de fabrication. On a le gardien, pistolet semi-automatique, arme de poing. Ah, elle va être contente l'autre. Et des balles. Recette liaison incendie, c'est quoi ça? Bon, elle va être contente. Lucia là. Putain, on va lui donner ça. Ah, quoique, attends, on peut le mettre à lui aussi, non? Honnêtement, je suis un peu deg de le mettre à lui. Je suis un peu deg de lui mettre à lui, en fait. On a 1500 de ferraille, putain. Attends, ils sont où les pistolets? On a que ça. Revolver de l'armée. Ouais, on va lui laisser le revolver de l'armée, honnêtement. C'est du 45, ça tire. Ça tire du 45, le pistolet qu'on a récupéré. Calibre 45, ça va faire super mal. Bon, on a bien fait de ne pas le acheter d'armes de poing, en fait. Ah oui, et la fabrication, c'est quoi, du coup? Je sais pas, ça disait quoi, liaison? Je sais pas quoi. Je sais pas. Liaison rasoir, c'est ça? Mode ajoute un éclat d'obus. Ajoute un éclat d'obus à chaque tir et garantit que la cible souffre une forte hémorragie en plus de tous les autres dégâts subis. 25% d'appliquer hémorragie. Application d'armes. C'est fou. Dégâts 8. Attends, tu vas me dire que ça, on peut juste le construire? Bon, c'est 375 de fer, c'est pas de la merde. On peut juste le construire et le mettre sur n'importe quelle arme qu'on utilise? Ce mode, un éclat d'obus à chaque tir, garantit que la cible souffre une forte hémorragie en plus de tous les autres dégâts subis. C'est fou, ça. On va tester. Donc, c'est modification, c'est arme 6 pour le créer, et après, pour le mettre, c'est 10. Ah, putain. Ah oui, on ne peut pas réparer ça, nous. Systems return to nominal function. Eh bien. C'était pas mal. Et en plus, on avait le bonus d'expérience sur Sentinelle. Ouais, je suis content. Je suis content. Par contre, on devrait peut-être mettre un peu plus... de trucs. C'était où l'arme? Une sorte de lance, c'est ça. Voilà. Juste au cas où. Hein. Sal here. We've gotten more fan mail from Mother Nancy Reliance of the Gippers. It says, well, it's violent and needless now. Some music. Pas fan. Just your daily reminder to stay away from the abandoned parts of Denver, where unseen voices whisper and dumpster divers disappear. Brrr, spooky stuff. And now, some music.
Spooky stuff. Y'a quoi là-bas? Radiation? Maintenant, je flippe, hein. Fascinating news, Denverites and Denverinos. I've been told that the mysterious sightings in the ruins turned out to be... Wait for it. Wolves! Just, you know, ordinary wolves. Y'a radiation, là. Explain the rumors and madness. We'll chalk that up to the vagaries of the fragile human mind. Interesting times, huh? Y'a rien à récupérer. Bon, ça nous a fait... Activité suspecte. Ça nous a fait un petit boost de ferraille, un boost d'argent et tout ça, et puis on a trouvé des bonnes armes et tout. Vous voyez trois vieux hommes devant vous, pauvrement vêtus et accroupis autour d'un pneu qui brûle, qui se passe une boîte de conserve. Soudain, ce mot crie quelque chose à propos du conclave des clochards. En un instant, il ouvre sa portière et tombe dans une congère. La description dans le véhicule. Elle est trinquée avec les clochards. Puis les trois clochards, encore pire que celui de Squeezie. Vous êtes ivre en un rien de temps et Sosmo est catatonique. Conduire est intéressant une fois que vous retournez à bord du Kodiak. La route a une seule voie et en comporte soudainement trois. On a une gueule de bois. Tout le monde a une gueule de bois. Bon, ça va, c'était bien. Aïe, 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 aïe. Allez, on va à Denver. C'était intéressant ce combat hein, de l'araignée géante là. Vraiment intéressant. Je suis très content que ce soit bien passé. On a bien équipé notre... On a bien pris les bonnes perks et tout ça. Honnêtement, c'était pas de notre niveau, je pense pas. Mais on s'en est quand même bien sorti. Apparemment, je parle. Il est cassé. Il est intéressant. He's so deep. You really have to think about the things he says. Ouais, d'accord. Huh? You sure do. And looking mighty good for over 100, huh? I'm just kidding with you, mostly. Anyway, do you need anything else? Non. Comment Mérine Ancienne vous fait cette statue abattre ce robot communiste plutôt? Rappelle que les pêcheurs 16 ne seraient pas de refus. Prenez soin de vous. You too, Rangers. Oh, on a plus de balles. On a plus de balles électriques. Ah oui, d'accord, on a plus de balles électriques, donc du coup, oui, ça sert à rien de mettre ça. Putain, c'est cool. Putain, ça fait plaisir. Alors... Passons de température à son du système. On va attendre ça. Procède de fabrique un conducteur de pointe. Zone 5? The last one came up a gusher! The foreman thinks there could be enough for 100!
Alors maintenant on va voir si ça va détruire. C'est un peu raison, il faut faire puissant activer, auto-destruction activée. Saboter. Ah ouais, ça le détruit quoi. This is Mother Reliance. The statue of our god president has been sabotaged. Ronnie's consciousness is safe inside the Western White House. But our defenses are severely compromised. Okay. All givers to arms, defend our god president from any and all invaders. Hiya, Rangers. Darn good to see you again. You too. Ok. Alors attends. Putain, attends, qu'est-ce que. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Parce que je veux avoir deux sauvegardes, parce que je sais pas si ça va fonctionner en fait. Donc là, on a détruit la machine. Mais l'autre, elle a dit que la conscience, elle était protégée. Donc on peut toujours le faire et ils savent pas que c'est nous. Voilà. Et ils savent pas que c'est nous. Voilà. Donc la deuxième, c'est avant de le faire. Et la première, c'est après l'avoir fait. Ok, très bien. Par contre, peut-être qu'ils vont pas nous donner de récompense. Hein. Ils vont nous dire, oui, bah maintenant, on va attaquer le camp, on va les tuer. Et puis basta, quoi. On va juste revenir là pour voir s'il y a quelque chose. Enfin, s'ils disent quelque chose, ou quoi que ce soit. Ils ont pas l'air de vouloir dire grand-chose. Welcome back, Rangers. What do you need? Sure, have a look. On a 900. 1500. C'était à 1300 et quelques, je crois. Ok. Ça, c'est de la merde. Welcome back, Rangers. What do you need? Fait du joli travail. Well, now, kind of you to say so. What did you like best about it? Donc à l'intérieur du contrat statué à distance, un système de défense impressionnant. Vous êtes rudement bien équipé, les Dippers. Hitting them with all that gear was a job and a half. Nice to be appreciated. Now, that reminds me. I got some leftovers from that job taking up valuable space. Yours if you want it. Make sure you put that to good use, Rangers. Ça tue? Blood, sweat and tears, friend. Blood, sweat and tears. Skid okay, also hunted and killed 30 or so scar collectors because they had some parts ça. I needed. More than a few of the statue's bits and bobs have blood on them. A fitting tribute to America's fighting president, right? C'est vraiment impressionnant. Machine de guerre qui envoie le... Ah là là, les Américains. Est-ce que vous avez fait choisir ce métier? Ok, dans le métier, vous avez intérêt à écouter. Ok, ça marche. Avant que vous allez lendre la Gipper armor que vous avez. Those commies at the airport have some cute tricks when it comes to repairing both machines and people. Doesn't matter how hard we blast them bots, they always come back in perfect shape. And it's the same with whoever they heal. Even God fishers. Okay. If you can find out how the bots repair themselves and humans, it would help me a lot. Then I can design weapons to make those repairs impossible. Come through, and I'll give you a discount on my stock and a few supplies to boot. Ok. You're doing me a great service. And if you talk to the Wyman, don't tell her a damn thing about this. Find that data. Ok, c'est pas mal.
Welcome back, Rangers. What do you need? Yep. Alors, attends, qu'est-ce que tu m'as donné, toi? Un ouvrage sur les armures tactiques et parsemé. Augmente la modification d'armure de 1. D'accord. Mais on... Je crois que j'avais un livre déjà pour modification d'armure. Je pense pas que j'ai fait 10. Je crois que j'ai utilisé un livre. Bon, là on en a un autre. Ah, peut-être que j'en avais pas parce que honnêtement ça me dit rien. Non, peut-être que j'ai été con et pour elle j'y suis allé. Ouais, non, pour elle je suis allé à 10. Pour Thunder, je suis allé à 10 directement, c'est la seule où j'ai vraiment utilisé tous mes points. Pourquoi? C'est pour avoir l'avantage, tout simplement, c'est que pour ça. Mais bon, ça nous a drôlement aidé. On est d'accord que ça marche toujours, tu vois. Partie sauvegardée. Exemplary work, Rangers. Ok, ouais. I really didn't think you'd. He also said. Ah putain. Until. Yeah. My father always said I'd wait. Thank valor. It's time now, Rangers. Would you be so kind as to start? Je peux pas charger. Voilà. Je voulais voir juste si ça fonctionnait encore, si on n'avait pas merdé en fait la quête principale avec eux. Donc non, ça va. AI, contre-espionnage. Ouais mais attends, ça c'est... Ça c'est quand j'ai chargé la partie. J'ai la mission. Oui non mais ça c'est quand j'ai... Ça c'est de l'autre sauvegarde, d'accord. Oui. Armée des monstres. Ah, j'aime bien les trucs. Sans Marshall et Gipper. Apprécié. Adoré par l'armée des monstres. Marshall et Patriarche apprécié. Sans famille, ok. Elle a quoi? Elle a un truc spécial ou pas? You ain't dead yet. So that's something. Pour un raconter des choses à votre sujet, est-ce que vous remettez sur pied? C'est combien? $25? Non. Suits me. Well, I was Reagan's second wife behind Reliance, and now I'm not. We'll just leave it at that. Vous avez donc arrêté d'être une Nancy. Quit. Ha! I was excommunicated. Ah oui, elle a été virée, quoi. C'est pas super intéressant. Vous voulez notre aide pour quelque chose? So, like I said, Reliance would have Ronnie light me up if she didn't need me. So, I need to make sure she doesn't start looking at other medical options. Pretty sure the robots at the machine commune have some tricks for healing humans, not just machines. Every once in a while, a Gipper patrol will get lost, injured. And then a couple of days later show up, right as rain, escorted by a couple of robots. Obviously, Reliance has Ronnie blasted before any commie sleeper programming can turn on. But if you're in the commune and get some kind of data on their clinic, I'll heal you up for free from then on. And throw in a few medical supplies, too. Fine, think it over. Then bring it to me. Take care. Merde, on n'a pas le marchandage. So that's something. Too much head trauma. Ouais, on a Take passé. Care. On a loupé le marchandage. Fais chier. C'est pas grave. Poupée effrayante, dégâts contre les animaux. Enfin, ça m'embête, hein, mais bon. C'est fait maintenant. Ah là là. Putain, on a plein de trucs encore à faire.
On va voir déjà les fous là. Ce qu'ils nous disent. Et après on va devoir aller les voir les robots, récupérer des informations en fait sur le robot qui soigne. Bon, c'est quoi ce journal de merde? Bravo. Ici, on a un truc à faire ici. Attends, qu'est-ce que j'avais écrit? Grippin dans les ruines de Denver. Ah, les robots. Alors là, c'est un... Comme j'ai dit, hein, c'est un peu le... Ça m'embête un peu, c'est un peu le problème, Boris, parce que là, on a trois factions en même temps, et on essaye de jongler un peu, et d'essayer de récupérer le plus d'expérience, d'argent et tout. The Rangers have arrived to pay the machine commune a visit at the Denver airport. This is late, but... Donc c'est un peu compliqué, s'il faut faire attention de pas merder un côté et l'autre. Parce que nous on veut s'allier avec eux, ça c'est le plus important. Après on veut tuer les fous et on veut, du coup on doit piquer l'IA quoi. Non. D'abord on veut voir si on peut prendre des informations là, sur lui. Nous allons savoir plus sur la manière dont soigner les humains et réparer les robots. Putain. Ouais, c'est pas mal. Alors, Pourquoi voulez-vous les enchaînements décédés? Pourquoi les gens comptaient-ils dans le hangar alors qu'il fait chaud ici? They were invited inside numerous times, but seemed wary of synthetic beings. Perhaps they had sustained past traumas involving robots. Nous allons au hangar maintenant. The hangar is accessed through the western exit from the airport. Ah, tu peux pas nous soigner gratuitement au passage? Repairs or enhancements? Repairs to dermal, muscle and organ tissue are available. I also offer supplies that facilitate personal. Yes, you may experience a desire to move. Ouais, donc comme j'ai dit, beaucoup you may experience a desire to scream or yell. This is acceptable. De choses à faire attention et tout ça. C'est un peu prise de tête en fait. Mais il faut sauvegarder. Faut sauvegarder souvent, je dirais. An interesting specimen. I've got a monopoly on amazing merchant. J'avais pas vu ça. Step right up. Don't be shy. Mais j'avais pas vu ce passage là. Welcome to the vast world of Vendomatic 2000. I've got everything you need. Everything. God damn it. I always get that line wrong. Can you take a few steps back and then do that over? Act surprised. Right this way. Don't be shy. Do form an orderly line and do not push. De la rincer de l'argent dans le plan de machine. Well,
Ce n'était pas ce que vous cherchez, pour le coup, mettez plus de sous. Cherchez un panneau d'administrateur à l'arrière, vérifiez qu'il y aurait une cloche. Mécanique forcée au terminal d'accès, regardez si vous pouvez empêcher de vous arnaquer. On va faire un télo. Thank you, friend. Back in the old days, a rather unscrupulous owner of mine rigged me up to cheat customers. I hated it, but I couldn't do anything to change it. Off Star Spangled Banner. Avec quelque chose en moi, bref, que je suis sûr pour vous. Anyway, what can I do you for? Ah, vache. Alors, utilitaire, dégâts contre les mutants, 10%. Klaxon de la danse du sombrero. Blindage de véhicule isolé, des lunettes, stimulant de combat, canon à maison, maison, matraque électrique, bien, fusil à impulsion. Ça va, c'est très cher, hein, évidemment. Putain, on a autant de ferraille que je comprends pas comment on a autant de ferraille. Ah oui, il y a Twinker ici. Quoi? I was given my life back. I should consider what I can do with it. Yes. Faut voir parce qu'il y avait plein de trucs à faire. Attends, on va passer par là. Plus simple, il y a lui aussi qu'il faut aider, je sais plus ce qu'il faut aider. Je sais plus comment il faut l'aider. Je crois qu'il y a une conversation de niveau je sais pas quoi. Un télo gros dur. Ah, il faudrait un télo. Maybe we could play again later. In addition to humans, other dangerous creatures such as wolves and bloc de glace have been observed. Hop. Warning, potentially hostile creatures beyond this point. Exercise caution. Maintenant qu'on fait un critique. Macro time unit since the last human sighting 4.0311. Alors voilà, c'est là qu'on est. I spy my little eye. Nous avons marqué que niveau 7. Très bien. J'avais pas pris ça. Ou on pouvait pas passer. Pourquoi il arrête pas de parler là? Quoi ça? Liaison toxique. Il y a un coffre là. Non, c'est bon, les savez. Oh la vache! Ah, Vicky! Oui. Alors, je vais voir.
On va mettre Thunder là. Les autres peuvent passer. Prend un peu de temps, mais je veux pas faire de la merde. Parce qu'en fait, j'avoue que le dernier combat qu'on a fait, niveau munitions, stores about your exploits. Sadly, I'm not as well equipped with guns. Much longer, and those things would have ripped me taint to transistors. Ouais. On a utilisé énormément de munitions rares et tout, donc faut faire attention. By the way, I'm V-I-C-I, pronounced Vicky. My creator was Vivisecto. He's what you humans would call a healer. Or maybe a repair person. C'est vous qui assistez à Vivisecto, il vous cherche. C'est l'échantillon demandé par Vivisecto. Most definitely. Scooping dead flesh isn't my favorite activity. But okay, keeping those monsters at bay drained me something fierce. You could take these back to Vivisecto while I recharge strength. Here you go. Once I'm powered up, I'm not sure what to do with myself. I want to see the world, help non-dead people and bots. I want what do you think I should do? Bah, rejoins-nous. Retire le passeur du robot et reformater ses disques durs pour le réinitialiser. Nous aurions bien besoin d'une experte méga à base de caractères. Plus positif, vous voulez un nouveau travail? Il paraît qu'il se passe des sols étranges à l'aise, irait simplement vers l'horizon. Retirer le processeur du robot et reformater ses disques durs pour le réinitialiser. Pourquoi on ferait ça? On a sauvegardé. Il va falloir refaire le combat. Je suis intéressé par ça en fait. Puisse réagir, attraper un fil qui prend, rachat la prise. Une fois éteinte, vous accédez à ces commandes primaires, reformatez le disque dur, prenez ça. Qu'est-ce qu'on entend faire, la lumière derrière les capteurs optiques s'allume. Greetings. I am Vicky, a consciousness fragment of Vivisecto RN. Primary objective, collect and return tissue samples. Due to power shortage, now entering power saving mode before rehoming to Vivisecto RN.
Ça servait à quoi de faire ça? I must attend to my tasks. Please speak with Vivisecto RN if you need medical attention. Genre elle se demandait quoi faire, donc nous on l'a réinitialisé pour éviter qu'elle se demande quoi faire. C'est un peu débile. Boîte de rasoir. Très alarmé. Ah oui, il y a ça aussi. Je sais pas si c'était une bonne chose en fait. Oh! On a récupéré le casque. Ah, ça m'embête là d'avoir fait ça. De toute façon, en plus, ce qui est chiant, c'est qu'il faudrait refaire le combat. Voilà. Ça, il a l'équipement en entier. Bard Tales, conseils et astuces, objets. Contient les secrets de toutes les stratégies avec les grands blobbers. Ok. Mécanique 7. Tiens. La communauté Ranger. Pourquoi vous le transfert scientifique est utile? Pourquoi parler de vos opinions en pourcentage? Au revoir. Ok, ça marche. Alors attends. Qu'est-ce que maintenant journal? Donc on a ça. On a une grange à côté de ça. Contre-espionnage. Alors, récompenses sont gratuites. Ristourne de stock, ça c'est bien ça. Après la guerre des mondes, devons nous diriger vers la mine d'où provenait les appels de Trazegoïm, ça on s'en fout. Maison divisée, donc là on a fait ça, des activités raccrochées de la maison ouest, ok. Défenses vives sont brisées, signées aux vivres écorcheurs, marcher vers le cube, valeur. Ouais, ça on va pas le faire, on va voir si on récupère une récompense par contre. Are you in need of repairs or enhancements? Repairs to dermal, muscle and organ tissue are available. I also offer supplies that this transaction was fruitful. Vicky sent an alert message that indicated that you removed several impediments from its path and it will return soon. Thank you. Here is the diagnostic report. Okay. Qui a envoyé un message d'air disant que nous avions retiré plusieurs obstacles de son chemin et qu'elle reviendra bien. Ouais, donc en fait, on l'a remise à zéro parce que elle voulait plus revenir, c'est ça? Donc du coup, bah il est content. Repairs or enhancements? Repairs to dermal, muscle, verbal etiquette is not my responsibility. Your personal maintenance is. Please return when you have support. Amélioration cybernétique 1024. I cannot conduct the operation myself. Instead, I will create a self-installing unit that you may choose to implant. Do you agree to this exchange? Ok. Donc maintenant, on a avancé dans le contre-espionnage. On a le rapport en fait. Protéger Vicky des animaux hostiles, revenir vite. Emmener les données d'Anxix à oui, ma sœur. Nous, on va faire ça. Pour avoir la ristourne en fait. Sur le stock.
Donc c'est ça qui nous importe. Comme ça, je peux acheter l'armure moins chère. Par contre, avant ça, je veux voir ce que ça fait la modification, en fait. Repairs to Durham for ethical reasons. One moment. Constructing a device of this nature is a delicate operation. Main du robot bouge trop vite pour que vos yeux, je sais pas, vos yeux puissent le suivre. Production complete. When you are ready, insert this into your spine at the base of your neck, or that of someone who consents to its insertion. The device will do the rest. Are you in need of repairs or enhancements? Repairs for ethical reasons. I cannot conduct the operation myself. Here is my stock. Ça, on s'en fout. Alors. Donc on a eu ça. Capacité, unité, contrôle, techno-cyber. Ça va prendre l'avantage. Techno-cyborg. Une plaquette de silicium incurvée. Ok, ça c'est... On se le plante dans la colonne en fait. Donc fais voir. Avantage appris. Techno-cyborg. C'est con qu'on le voit pas en fait. Vous pouvez désormais équiper des mods de cyborg. Vous avez fait le premier pas sur la voie de la transhumanité. De toute façon, la chair est faible. Ah, donc c'est juste ça en fait. Je pensais que... Bon. Bon bah du coup, on peut installer, ouais. Donc on pourrait installer ça. Test de combat 1. Temps d'immobilisation plus 2. Résistance critique plus 50%. Ah oui, c'est abusé quoi. Après, bonus de soin 35%. Bonus de soin. Ouais, non, mais c'est du soin sur lui. Bah, je trouve ça en fait un peu moins intéressant. Je pensais pas que ça allait être ça. Temps d'immobilisation, résistance à la critique. Ouais, il y a des trucs sympas, hein, mais. Genre ça, temps d'immobilisation plus 2. Je sais pas ce que ça veut dire, temps d'immobilisation plus 2. Je sais pas ce que c'est. Micro-ordinateur lié au tronc cérébral filtre les signaux de douleur utilisateur. Par conséquent, les blessures sont beaucoup moins susceptibles de le neutraliser. D'accord. Et résistance aux critiques 50%, ça c'est... Ouais, ça c'est vachement bien. Vraiment. Après, la vitesse plus 1, c'est bien aussi. Hein. Ce qui améliore la vitesse, temps de réaction. Ouais. Mais je pensais que ça allait être un tout petit peu mieux. Je sais pas. Je sais pas à quoi je m'imaginais en fait. Une barre à augmenter, genre compétence à augmenter, pas juste un avantage. Mais bon, maintenant on sait comment ça marche. Ça va toi? Someday I'll get around to trying Pico. Oh, faut que je fasse une pause moi. Ah merde, mais il nous a pas soigné. Non, c'est pas grave. Donc ouais, c'était pas vraiment transcendant en fait. Je pensais que ça allait être. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? On va donner l'information à l'hôte là. Accept these holy offerings, make it to rain gently upon us, but batter our enemies with hail. Parler, parler à elle pour qu'elle nous donne
pour qu'on fasse un truc. Hein. Ou lui, je sais pas. Pour qu'on lance l'attaque, mais nous on va pas le faire, on n'est pas intéressé. Alors, faut que elle nous donne une ristourne en fait sur son magasin. Welcome back, Rangers. What do you need? Alors, sure. Genre l'armure elle est à 1500 de base. Welcome back, Rangers. What do you need? Great work, Rangers. Let me see. Yes, I see. I can make some tweaks to our bullet swaging process that'll create cracks in metal plating that can't be sealed with their current methodology. Perfect. Promised. Oh, you're entitled cool. to a discount on my stock and an in-kind exchange of goods. Here you are. Next task. Call Wyman and let her know she won't see a line of this. C'est con parce qu'on les rend plus puissants en fait. Mais bon. C'est pas grave, hein? On est d'accord, c'est pas grave. Faudra faire le stock de munitions et tout. Welcome back, Rangers. What do you need? Voilà, on fait voir un peu. Sure. Have a look. De 1500. Putain, ça va pas. De 1500, c'est passé à 1100. Ça vaut largement le coup. Et on n'a pas Lucia avec nous. Et on n'a pas Lucia avec nous pour baisser le prix. Ah là, je crois qu'on a fait du bien, hein, du bon. You bastards. You gave the data I wanted to Forge. First thing she did after you left was call me to mock me. Take care. Ah oui, mais bon. T'as qu'à vendre des super armures aussi, hein. C'est pas ma faute. Hein. Voilà, on a 1100. Donc ça veut dire qu'on peut acheter l'armure déjà. Parce que si on prend Lucie avec nous, avec la marchandise, c'est bon, on aura tout. On aura assez, ça va sûrement déjà être à 900. Donc on pourrait acheter l'armure. L'armure, s'il faut, on va la récupérer autre part. Et j'aurais fait tout ça pour rien. Mais... au moins, c'est fait. Alors, maintenant, il nous faudrait donc... connaissance règle. Ok. Allons faire sauter les cerfs-volants. Donc il faudrait... voir... si on récupère une récompense avec ça, et après on les défonce. Après on les défonce. On a combien de ferraille? 1700, ça va. Les ferrailles, on a récupéré énormément de ferrailles. Je crois que c'était pour quand on a combattu la grosse bestiole. Hein. Le gros scorpion. Hein. Maintenant, on fait ça. Ok, donc on va voir si c'est elle. Non. C'est elle. Make it to rain gently. I can tell the length of gods of the clouds and winds accept our unworthy gift. No outset. Gods of the sky, we fly these strikes. C'est avec qui qu'on parle? Espèce de cinglé là. Quoi, qu'est-ce qu'il faut en faire de cette mission?
Alors, nous avons désactivé le système, rayon température interne de la statue, machin. Les défenses des Gipper sont brisées. Signalez à Givre et Corcheur de marcher vers le Gipper et Valor. Signalez à Givre et Corcheur. Mais oui, mais elle est où? Attends, il y a une autre partie là. Ah, si, il y a cette partie là. Oui, il y a cette partie là, parce que là c'était con. Oui, il y a deux parties en fait. J'avais oublié. Ça va, on devrait facilement tous les défoncer quand on va les massacrer. Oh gods, accept this harvest in the spirit it is given. Blow away our foes with thy mighty winds. Je sais plus s'il y a quelque chose à faire là. Gently upon us, but batter our enemy. Ah, si. Go on, steal from us, heathens. We'll take it back when we skin you. Matraque explosive. C'est sympa, toi. I can tell the length of your entrails just by looking at you. Merde, non! On a un autre lance-flamme aussi qui tire des sortes de balles. Tu veux te casser, toi? C'est toi, je vais te brûler aussi en même temps. C'est sur la fin que ça fait un critique inouï, quoi. Cette blague. Man, I've been thinking. You know what the biggest tragedy of the apocalypse was? The music. Oh, yeah, absolutely. What a waste. Like jazz, for example. It was amazing, and now it's dead forever. Oh yeah, totally passé. I'm into waster punk. It's played with a theremin. Probably never heard of it. What? No, I mean, forget it, fucking hipster. Fucking hipster. Ok, je pense qu'on est bon. Ok. Bon, elle est où l'autre là? Une de l'Est ou une de l'Ouest? You're listening to Sal, the voice of the commune and free Colorado. And now, more music. I can tell the length of your entrance. Get away, heathen. Get away, heathen. Qu'est-ce que... All will end in... Moissonneur... Pêcheur, c'est le cratère, ça. C'est elle. Non, mais je suis débile ou quoi? Genre, à qui on va parler? J'ai chaud et ça commence à me gaver en fait de tourner en rond. Putain, en fait c'est ça le problème, c'est qu'il fait chaud et je commence à avoir le cul. Il faut que je fasse une pause. Défenseurs rivaux sont brisés, signalés à Givre, écorcheur, de marcher vers les Gibert.
Zéro idée d'où on va. Givre écorcheur. Il n'y a personne de spécial en plus. Bon, je sais pas. Je vais faire une pause et je vais voir. Ah tiens, toi. Hi, Rangers. Darn good to see you again. Un rappel sur les pêcheurs, ça serait pas drôle. The Godfishers? Sure. They're the crazy cultists who kill people and fly their torsos up to the clouds on kites. And I'm pretty sure they want to kill us all. Après, les cerfs-volants, je sais pas comment les détruire, hein, parce qu'il n'y a pas d'interaction. J'ai zéro idée de quoi faire avec les cerfs-volants. Il y a zéro interaction avec. Genre quoi, faire péter les trucs ? Gods of the endless sky. Accept these holy offerings, make it to rain gently upon us. But batter our enemies with hail, do not speak to us. Gorge yourselves upon the entrails of the slain, O gods. Get away, heathen. Mais ils ont l'air vénère maintenant. Do not speak to us. C'est parce que j'ai volé la caisse, c'est ça? Make it to rain gently upon us. Battle our enemies with hail. Sick peace and true property true strong. Oh gods, accept this. Ah, une grenade. Oh là là. Prendre la tête tout ça. Strike down those who stand against us with thy divine lightning. Non. Et les mecs, si je fais ça. Je sais pas ce qu'il faut faire avec ça, ça me rend fou. Bon allez, moi je vais m'arrêter là. Je sais pas, je vais honnêtement regarder sur internet parce que je sais pas ce qu'il faut faire avec les cerfs-volants et je sais pas où trouver la personne pour lui dire d'attaquer. Voir si on n'a pas de récompense avec. Voilà, parce que là on a deux missions et elles sont bloquées. Donc ça c'est un peu chiant quoi. Accept these holy offerings, blow away our foes with thy mighty winds. Zéro idée, je sais pas. À la prochaine, ciao ciao.